Bulls fans. Les choses ne peuvent qu'aller mieux. 2-0, vous allez perdre le tournoi. Vous feriez mieux d'abandonner tout de suite. Ouais, on est les meilleurs. Les deux premiers défis ont été remportés haut la main par l'équipe des démons. Si les démons emportent encore un défi, ils seront proclamés immédiatement grands gagnants de ce tournoi de la lumière et des ténèbres. Démons, à vous de parler. C'est à vous de choisir où aura lieu le défi opposant l'ange Ourier et le démon Cabalé. Mais même si nous avons l'impression que tout est perdu, il faut continuer à se battre. Sois fort, Ourier, et n'aie pas peur d'elle. Tu y arriveras. Angels, unis pour la vie! Ils vont voir de quoi est capable l'ange Ourier. Cabalé, ton équipe a-t-elle choisi le lieu où se déroulera ton défi contre Ourier? Où je suis. La question n'est pas de savoir où tu es, mais où je suis. Un maître de kung-fu est difficile à battre, mais il est presque impossible de le battre quand on ne sait pas où il se trouve. Pouvoir invisible! M'interdit de te toucher avec les mains, mais j'ai de nombreuses armes qui feront l'affaire. Tu as du mal à te lever, mon ange, ça ne fait rien, je vais venir jusqu'à toi. Pouvoir invisible! Ah oh, pauvre Ourier! Ce n'est pas juste, comment voulez-vous qu'elle batte Cabalé si elle ne la voit pas? Ne perds pas espoir, tu vas y arriver. Si ça continue comme ça, je perdrai mon défi moi aussi. Une minute. Je sais comment la rendre visible. Pouvoir du ciel! Vous avez dit que ce serait pas si facile que ça. C'est pas grave, Cabalé arrivera à retourner la situation. Merci. Si je me trompe pas, cet objet s'utilise bien de cette manière. Ce n'est pas encore fini. Pouvoir de multiplication, yeah. Bravo, tu as réussi, Cabalé! L'une d'entre nous va rentrer chez elle.
Pas question de baisser les bras, le défi n'est pas encore terminé. Mais Ourier a utilisé tous ses pouvoirs et elle n'a pas réussi à battre Kabalé. Et alors, les démons ont bien découvert leur pouvoir en plein défi, non? Souviens-toi, Gas a appris à contrôler les objets métalliques. Cabria s'est servi du pouvoir de l'hypnose pour contrôler le public et c'est comme ça qu'elle a gagné. Oui, sinon j'aurais gagné le défi parce que j'étais bien meilleure qu'elle en défilé de mode. Tu es d'accord? Tout à fait. C'est là où je voulais en venir, Dolce. Ce tournoi nous offre de nouveaux pouvoirs. Les démons ne sont pas les seuls concernés. Nous aussi, on en aura. Le problème, c'est de les découvrir. Je dois résister. L'enjeu est trop important. Si je perds ce défi, l'une d'entre nous rentrera chez elle. Je refuse que mes amis soient séparés. Je dois gagner. Gardien féroce! Gardien féroce! Puma! Elle a réussi, elle a trouvé ce nouveau pouvoir. Il est très impressionnant. Attrapez-la! Qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on peut se transformer. Pouvoir métamorphose! Transformation animale! Qu'est-ce que tu en penses? Tu abandonnes? Jamais! Tu vas me lâcher! Tu es sûre? La chute sera longue. C'est bon, j'abandonne. Tu as gagné. Ouais, félicitations, tu as réussi. C'était magnifique à voir, Ourier. Si Raph gagne son défi, on aura 2 points comme l'équipe des démons. Tout dépend de toi, Sulfus. Tu dois gagner ton défi, sinon les anges auront autant de points que nous. Effectivement, tout dépend de Raph et de Sulfus. Mais j'ai bien peur qu'il ne faille attendre un peu avant de connaître le résultat final de ce tournoi. Pourquoi, ma reine? Le moment est idéal. Qui contrôle le tournoi, toi ou moi? Alors c'est à moi de décider du meilleur moment pour en connaître l'issue. Regardez. Mais, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Le globe du destin a décidé que le défi par équipe aurait lieu avant le défi qui opposera Raph et Sulfus. Mais ça ne s'est jamais produit auparavant. Nous n'avons rien à dire, le globe est seul maître. C'est à l'équipe des anges de choisir le lieu du prochain défi. Les démons mènent par 2-1. Avez-vous choisi le lieu où vous souhaitez défier vos adversaires? C'est quoi cet endroit horrible? On dirait un parc, on est dans une ville ennuyeuse et paradisiaque. On est dans le parc principal de la Cité des Anges. Exact, tu as deviné où nous nous trouvons. Nous connaissons par cœur chaque recoin de ce parc, puisque nous venons y jouer depuis notre plus tendre enfance. Quelle belle idée! Mais on n'est pas venu pour jouer. J'en ai assez de perdre mon temps. J'ai envie de me battre. Pouvoir du feu! Venez nous attraper si vous êtes aussi fort que vous le pensez. Regarde ces pimpèches, elles s'enfuient. Cabria, si tu as teasé les flammes. Avec plaisir. Pouvoir sécheresse! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on agisse rapidement. Sinon on finira en viande grillée à la sauce barbecue. J'ai une idée. On va aller se réfugier dans les rochers là-bas. Ils nous protégeront de cette chaleur. Elles sont allées exactement où on voulait. Gas, ça te dit de régler leur compte à tous ces anges? Avec un immense plaisir, pouvoir jet de pierre! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vite, allez-vous-en! Glace! Waouh! D'où te vient ce pouvoir, Mickey? J'en sais rien, je savais même pas que je l'avais. Tu n'es pas la seule à avoir un nouveau pouvoir, Ourier. Toi, tu as appris à te transformer en animal sauvage quand tu le souhaites. Et notre ami Mickey a appris à faire de la glace avec de l'air. Je suis contente pour toi. Bon, assez parlé, cet air chaud sèche les cheveux, abîme ma peau. Alors si on se dépêchait de les attaquer? J'ai hâte de finir pour hydrater ma peau. Non, attends une minute. Vous vous souvenez qu'il y a des grottes au fond du lac du parc? Tu veux qu'on emprunte le passage sous l'eau? Tout à fait, j'ai une idée. Suivez-moi, on va essayer de les piéger à l'intérieur. J'ai dit que ma peau était trop sèche à cause de cet air, mais pas que je voulais prendre un bain. On se bat contre des démons. Et tant pis si on abîme notre maquillage au passage. Allez les démons,
pouvoir de la pensée. On doit trouver le passage sous l'eau avant les démons. Ourier, aide-nous. Pouvoir sous l'eau. Bien joué, Ourier. À toi de jouer maintenant, Mickey. On est censé les attendre ici. Elles seront bien obligées de remonter à la surface pour respirer. On devrait plonger, les suivre et les faire remonter à l'air libre. C'est peut-être un piège. Mais non, ne sois pas ridicule. Elles ont eu peur de nous et puis c'est tout. Ces pins beiges sont allées se cacher. Cette fois, je suis d'accord avec Cabria et Gas. On doit remonter nos manches et leur donner une bonne leçon. Va avec les autres, je suis sûre que tu meurs d'envie de plonger. De la glace aux démons. Je vous avais dit que c'était peut-être un piège. Ouais. Oui, on a réussi à les battre. Raph, tu as été formidable, comme toujours. Pas moi, toute l'équipe, on a réussi toutes ensemble. Tiens, calme-toi, Sulfus. L'équipe des anges vient de remporter le défi par équipe du tournoi de la lumière et des ténèbres. À présent, le score est de 2 points partout. Le dernier défi, c'est-à-dire le défi individuel, déterminera le vainqueur du tournoi de la lumière et des ténèbres. Le résultat dépend du défi suivant, celui qui opposera Raph à Sulfus. Arcane a bien raison, ce défi est très important. Ce combat entre Raph et Sulfus sera déterminant, mais pas pour ce maudit tournoi, non. Parce que ma liberté en dépend, et ma victoire.